Hey, what's up les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale je dois dire, car c'est comment télécharger le custom zombie et par la suite comment craquer KVG World Dator code 5. Donc alors c'est tout simple, j'espère que ça va prendre dans moins de 30 minutes j'espère. Donc alors, déjà il nous faut WinRAR. Donc voilà, donc vous le téléchargez, c'est gratuit. Demon Tool Slide. Donc voilà. Donc déjà on se retrouve avec les deux applications. Une là et Demon Tool Slide qui est il est ici. Donc voilà. Donc après, ce qui va prendre le plus de temps en fait, c'est télécharger code5fr.iso. Il prend 6,92 go. Donc ça prendra, je sais pas moi, à peu près une demi-heure voire 40 minutes. Donc voilà, je suis désolé pour ce temps-là. Pendant ce temps-là, bah, vous pouvez mettre pause. Hein. Alors ensuite, donc ça va mettre ce petit fichier-là. Donc on fait afficher dans le dossier. On va le glisser sur le bureau et on va ouvrir Demon Tool Slide. Donc ça va être le jeu. Quoi. Voilà, allez, bouge-toi un petit peu. Voilà. Tac tac tac. Alors ensuite on glisse dedans. Donc allez, voilà. Et ensuite, soit on clique deux fois dessus, soit on fait clic droit, monter. Vous voulez patienter. Et voilà, il est monté. Donc exécuter. Voilà. Donc là voilà. Et là on se retrouve avec l'installateur. Donc ensuite ça va mettre un. La petite musique, voilà. Bon, vous l'entendrez pas. Je vais l'enlever car c'est assez gênant. Installer. Voilà, oui. Et là, ça va l'installer. Tac, tac, tac. Allez, 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 allez. Bon, bon. Bah, pour l'instant, je suis assez content d'avoir 44 abonnés. Bon, ça fait... Combien de temps que j'ai ouvert ma chaîne, ça doit faire presque 2 semaines actuellement. Je tape dans entre une trentaine de vues et une centaine de vues. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Après, bah, j'espère que je vais passer dans les chaînes communautaires. Hein. Allez. Voilà. Donc là, on se retrouve avec votre clé personnelle se trouve à l'intérieur du boîtier de jeu. Vous avez déjà. Mais non, mais on l'a craqué le jeu, on peut pas avoir la clé. Je sais pas moi, c'est bizarre. Et du coup, bah, ouais, on va faire afficher le bureau. Voilà. Et on va faire clé World Dator. Donc je mettrai dans la description les clés. Et là, on va prendre la première, on s'en fout, on importe. Et là, hop, on prend le jeu. Oh, non, merde, ça marche quoi. Tiens, autant pour moi. Donc, alors 8 du donc 8 du hop là hop là hop là 2MH2 WT2X voilà HPLL et 9183 voilà. Alors suivant, la clé saisie est correcte. Activision ne voudra jamais votre clé, ne communiquez à personne et ne la perdez pas. Donc là voilà, c'est bon, c'est terminé pour ça. Voulez-vous installer Pen Cluster? Donc ça c'est pas obligé, donc si vous voulez l'installer, bah comme vous voulez, mais moi perso j'ai pas installé, ça sert à rien. Donc standard, ouais, on s'en fout. Donc là voilà, petit temps de chargement, mise à jour de l'inscription des composants. Donc allez, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Donc ça fait déjà combien de temps, 4 minutes 25 qu'on est ensemble. J'espère que la vidéo va pas durer plus de... Ouais bah je sais pas combien de temps en fait elle va durer, ouais je sais pas. Parce que en fait je l'installe en même temps que vous, comme ça ce sera plus facile à comprendre, etc etc. Bon. On va mettre une petite pause, hein, je suis désolé. Nous voilà donc avec le jeu installé. Donc voilà, donc maintenant ça m'est désinstallé au lieu d'installer. Donc
C'est déjà super. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est bon, on peut quitter, on s'en fout. Alors, tac tac tac. Donc on va faire nouveau, on va créer un dossier qu'on va appeler Zombie Custom. Alors pourquoi Zombie Custom? Bah simplement parce que c'est le nom de la vidéo. Et en plus, bah c'est tout ce que ça va regrouper. Ok, bon bah ça veut pas. Très bien, très bien, très bien. Ah oui, parce que peut-être que il est connecté dans. Bah, pourquoi il veut pas? Je sais pas, il fait sa tête de mule. Bref, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on avait à faire? Donc ensuite, donc ça c'est fait. Donc on a téléchargé ça et ça. On a téléchargé ça aussi. Alors ensuite, j'aime le chauve. Donc on va installer ça. Donc voilà, ça on s'en bat les steaks. Voilà. Allez, ouvre-toi. Allez. Voilà. Afficher dans le dossier. On va. Tac. WinRAR. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? WinRAR. Voilà. Ah, mais il était juste sous mes yeux en plus, putain, quel con. Alors. Tac. Hop là. Alors, faut glisser là-dedans. En fait, copier. Là, on va dans ordinateur. Tac, programme file, Actusion. Donc, vous avez vu, maintenant, on a le fichier Actusion. Avant, on l'avait pas. Et là, il y a ordinateur. Et là, il y a tout. Ça dégage. Voilà. Et donc, on va tous les installer. Oui. Et là, donc, ça va faire pareil pour tous les patchs. Et donc, ensuite, pour télécharger les custom maps zombies. Vous avez juste à se rendre sur UGX Mods Ultimate Gaming Experience, donc pour télécharger toutes les maps. Donc c'est assez sympa, ils font des bonnes maps et tout. Sinon il y a Zombie Mode aussi, Zombie Modding je crois plutôt. De toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Et ensuite là vous mettez vos UGX Pro, non c'est celui-là, UGX Mode Standalone en version 1.0.4. Vous cliquez dessus. Et là, vous faites download file. Et là, vous attendez 173 mots, donc ça va aller vite, donc j'attends vite fait avec vous. Donc 44 abonnés, donc voilà. J'espère que ça monte assez vite avec cette vidéo-là que je vais faire. J'espère que ça va passer dans les chaînes communautaires et tout. J'essaie de faire un montage assez bien, etc. etc. Bref, je raconte ma vie. Bon, allez, allez, bouge. Allez, 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 allez. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre une petite pause pour ces 2 minutes. Et nous revoilà. Donc, c'est bon. On a terminé. Donc là, on est comme ça. WinRAR, où es-tu? Il est là. Hop là. Donc là, on a tout ça. Et ça, on est dans ordinateur, disque local, programme file, Actusion, collision ordinatoire. Et là, on va faire. Tac.
Tac, tac, et voilà. Continuer. Et voilà. Donc après, pour télécharger une... C'est quoi ça? Ok, bref, on s'en fout. Donc, alors, pour télécharger ensuite une map, donc c'est tout simple. Donc on va aller sur Zombie Mudding, histoire que je vous montre vite fait le site en question. Merde, je me suis fait, c'est pas celui-là. On va le mettre plus dans la recherche. Bah, ah mais non, mais d'accord, j'ai mis Zombie Mudding au lieu de Mudding. Voilà, il est là. Donc là, voilà, on arrive sur le site. Donc on veut télécharger, par exemple, là, on veut télécharger celle-là. Donc on va faire download. Donc download now. Voilà, donc normalement là c'est terminé. Donc si vous voulez confirmation, disque local, vérifier, fusion. Là, vous voyez, il y est. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et bye tout le monde.